Good morning, Aleiden, Moadim le Simcha. Nous sommes le mercredi 19 Nissan, 5776, quatrième jour du Homer. L'étude sera la lunish matrachel batsara, il refouat Arav Yosef ben Emma Simcha. Nous étions barakam aperekiyud Mishnah Daled. Amakir kelav usfarav beyadacher, viatzaloshem gneva ba'ir. Ishavalo, lokeach kamanatan, viitol. Vimlav, lokol hemenu. D'abord, une petite introduction à la Mishnah. On a déjà expliqué longuement la notion du Yehush et le Shinui Reshut. Lorsque un voleur vole un objet, l'objet continue à appartenir à la personne volée. Avec les deux états, avant ou après Yehush. Avant Yehush, il appartient complètement au propriétaire. Après Yehush, il est encore lié à son propriétaire initial avec un lien très faible que l'on peut rompre facilement. Selon ce principe, on apprenait déjà que l'interdit de receler, en tout cas lorsqu'on recèle l'objet à une autre personne ensuite, c'est-à-dire, on va reprendre le cas avec Réhouven, Shimon et Lévi. Un objet qui appartient à Réhouven, Shimon vole cet objet. Si Réhouven et Mitiaesh, ils prononcent son Yehush, il dit qu'il se désespère de récupérer un jour cet objet. Lorsque Shimon donnera ensuite cet objet à Lévi, ou le vendra, Lévi en deviendra entièrement propriétaire, et il ne devra plus rien à Réhouven. Par contre, si Shimon transmet cet objet à Lévi, avant que Réhouven soit mitiaesh, Réhouven pourra, selon la loi stricte, partir récupérer l'objet chez Lévi. D'accord ? Tout ça, on a bien expliqué. Bon. Maintenant, on va préciser un petit détail supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe si Lévi a payé cet objet très cher à Shimon? C'était un diamant, c'était une jolie bague. Et Shimon a volé de Réhouven une bague merveilleuse qui s'est mise ensuite à la vendre dans son magasin. En plein milieu des autres bagues que Shimon vend, il a vendu cette bague volée. Et il a réussi à la vendre à Lévi. Et Lévi l'a payé 10 000 shekels. Quel rapport ensuite il y aura entre Réhouven et Lévi? Selon la halakha stricte, Réhouven vient et dit à Lévi: je suis désolé mon cher ami, tu t'es fait arnaquer. Tu as acheté une bague volée qui m'appartient. Donc tu me la rends. Et tes 10 000 shekels, eh ben, va-toi trouver ce Shimon qui prend cet argent, parce que c'est comme si que moi je me mets à vous vendre la voiture de mon voisin. Je lui dis, je te vends la voiture de mon voisin à 100 shekels, vous me donnez 100 shekels, je vous ai rien vendu, je vous ai vendu du vent, ça ne m'appartenait pas. D'accord? C'est logique, selon ce principe. Donc, Réhouven récupère son objet de chez Lévi et lui dit, va te débrouiller maintenant toi avec Shimon. Seulement, de manière générale, une notion qui réapparaîtra encore une fois fréquemment, la notion de Takanat Hashuk. Si on commence de cette manière, il va s'avérer, si on laisse la halakha s'instaurer de cette manière, il va s'avérer que les gens vont devenir très réticents lorsqu'ils vont vouloir acheter des choses. Par exemple, on va tous partir acheter chez un bijoutier qu'on crédible à 100%, et on ne pourra plus faire de mieux. Ouais, d'accord. On va se retrouver en bloquant les règles du commerce. Le commerce ne va plus pouvoir s'effectuer. Pourquoi? Sans arrêt, on va se retrouver avec des craintes et des tâches. Donc, Rahamim, de manière générale, on fait ce qu'on appelle des takanat hashuk, des décrets pour le bon déroulement du marché et des précautions à prendre. Et une fois qu'on a pris ces précautions, alors lorsqu'on tombe dans le panneau, on ne se fait pas avoir. Ça favorise le fait que les gens vont pouvoir maintenant acheter et vendre plus aisément, on va pouvoir faire tomber les prix de cette manière, avoir plus de concurrence et tout ça. D'accord? C'est le principe de la Takanat Hashuk. Ça apparaît sous plusieurs aspects. En voilà un, en l'occurrence aujourd'hui. On va instaurer que lorsque Réhouven va partir voir Lévi, et va lui dire, Lévi, c'est mon objet. Eh bien, on va dire, Lévi, tu sais quoi? Puisque tu as pris tes précautions lorsque tu as acheté, t'es pas parti l'acheter en te cachant dans l'arrière-pièce de la bijouterie. Non, c'était, il le vendait nettement sur son étalage et tu es parti, tu l'as acheté, donc tu n'avais pas lieu de craindre que c'est un objet volé. Lorsque Réhouven voudra récupérer son objet de chez Lévi, il devra lui rembourser
devra lui rembourser l'argent qu'il a dépensé. Ça, c'est la notion écrite dans le Mishnah. On va préciser ensuite que c'est pas exact, que c'est pas dans tous les cas que c'est comme ça, mais dans un cas assez restreint, en fait. D'accord ? Pour le moment, on fait maintenant dans les mots. « Amakir kelav usfarav veyad acher » Celui qui reconnaît ses kelav, ses objets, « vesfarav » et ses livres, « veyad acher » dans les mains d'une tierce personne. Non pas que cette tierce personne a été le voleur lui-même, mais que il a acheté des objets, ces objets-là volés, d'accord ? Veyatsal Oshem Gneva Bahir. Si l'on sait que cette personne, donc ce Réhouven, s'est fait cambrioler, il y a eu des voleurs qui sont entrés chez lui, qui ont pris ses objets. Alors, Ishaval Lokeach Kavanatan Veitol. Le Lokeach, celui qui a acquis l'objet, donc Lévi, la troisième personne, la tierce personne, jurera combien il a dépensé pour acquérir cet objet. Veitol. Et il prendra cet argent de Réhouven, si Réhouven souhaite récupérer son objet. Veimlav. Alors, je continue la Mishnah, et après, on va tout expliquer d'un coup. Veimlav. Et sinon, Lévi ne veut pas jurer. Lokolhemenu. Alors, Réhouven il ne veut pas jurer, et il veut aussi garder cette bague dans les mains. Lokolhemenu. Concrètement, Réhouven ne pourra pas récupérer cette bague de Lévi. Pourquoi ? Shani Omer Mecharan Lacher ou le Kachan Zehemenu. Parce que je pourrais toujours prétendre Ani Omer, ou bien finalement le Lévi, donc la tierce personne, doit toujours prétendre Mecharan Lacher ou le Kachan Zehemenu. Qui a dit que cette bague-là spécifiquement, il s'est fait voler par Shimon ? Peut-être qu'il lui a vendu. Et moi, j'ai acheté la bague vendue, donc j'ai pas lieu de me faire avoir, même si Réhouven me pleure que c'était la bague qu'il a héritée de son arrière-grand-père, qui voulait surtout pas s'en débarrasser. C'est pas mon problème. C'est possible que dans un moment difficile, il ait quand même vendu sa bague. On reprend maintenant toute cette Mishnah en faisant un petit peu d'ordre. C'est-à-dire, la notion, elle est écrite, elle est nette, mais en réalité, on réalise qu'il y a en fait plusieurs conditions et paramètres qui vont finalement un peu dénaturer toute cette halakha de la Mishnah. Deux points, en fait, en réalité, même trois. Ça va être expliqué dans Barthénora, mais quand même, je préfère faire de l'ordre. Tout d'abord, on parle dans cette Mishnah d'un cas où Réhouven ne sait pas, n'a pas eu de Yéhouch. Il ne s'est pas découragé de récupérer son objet. C'est-à-dire, premièrement, on parle d'un cas où Réhouven, après s'être fait voler la bague, on sait pertinemment qu'il ne se décourage pas, il fait que de chercher, il a loué des enquêteurs pour trouver qui était le voleur, d'accord, des détectives pour trouver qui était le voleur, pour ensuite remonter la filiale et arriver à sa bague volée, d'accord. Donc il n'a pas fait yéhouch, j'en ai fait un peu trop, mais en tout cas, histoire de bien illustrer la scène, d'accord. Et donc il ne s'est pas découragé, donc l'objet qui se trouve dans la main de Lévi, et lui appartient encore. Si toutefois Réhouven s'est découragé, l'objet appartiendra à Lévi. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il était dans les mains de Shimon, et que Shimon lui a vendu, il y a eu Yéhouch, et Shimon Réchut. Donc Lévi l'acquiert, il ne doit plus rien à Réhouven. Là on parle d'un cas où il n'y a pas eu de Yéhouch. D'accord ? Point important. Deuxième point, aussi très important. Qui a dit que Réhouven s'est fait voler ? Il est venu un matin, il a commencé à raconter à tout le monde. Je vous pose une question, histoire de mieux comprendre le vice qu'on va être obligé de contourner. Supposons que cette jolie bague qu'il a héritée de son arrière-grand-mère, un jour, Réhouven a eu besoin d'argent. Et il l'a finalement vendue à un bijoutier. Et après l'avoir vendue et encaissé les 10 000 shekels, Réhouven a beaucoup de peine de s'être séparé de cette bague sentimentale. Et finalement, il commence à raconter à tous ses copains qu'il s'est fait voler la bague, jusqu'au jour où finalement, on va retrouver la bague dans la main de Lévi. Vous vous rendez compte qu'en fait, il va récupérer sa bague avec aucune preuve à l'appui. Qui a dit qu'il s'est fait voler ? C'est lui qui nous a raconté. Donc, il va falloir impérativement ajouter une condition importante à toute cette Mishnah. On parle que... On sait, on a vu des cambrioleurs sortir de chez Réhouven. C'est une histoire claire.
Tout le monde le sait qu'il y a eu des voleurs qui sont rentrés chez lui, juste on ne sait pas qu'est-ce qu'il s'est fait voler. Maintenant, autre point important. Supposons que malgré tout, il profite, Réhouven, pour nous raconter que, puisqu'il y a déjà eu des cambrioleurs qui se sont fait voler, il va nous raconter, ouais, et même la bague de mon arrière-grand-père, je me la suis faite voler. En réalité, Réhouven, il ne s'est pas fait voler cette bague-là. C'est vrai qu'il s'est fait cambrioler et qu'il s'est fait prendre plein de choses, plein d'ordinateurs, plein de choses qui étaient jaloux. Mais cette bague-là, spécifiquement, quelques jours avant, il a eu besoin d'argent. Et puis ensuite, Réhouven a regretté avoir vendu cette bague. Et il décide maintenant surfer sur la vague du cambriolage pour espérer ensuite récupérer la fameuse bague. Vous comprenez que là, on va avoir un problème. Il va se mettre à nous mentir et à nous rajouter, à déclarer toutes sortes d'objets que concrètement, il ne s'est pas fait voler. Donc en fait, il va falloir ajouter encore une autre condition très importante à cette Mishnah. On parle d'un objet que c'est sûr et certain qu'il ne va pas le vendre. On parle d'une personne qui ne vend pas ses objets. D'accord ? Je ne vends pas mes objets. Ça, d'accord ? Partons de ce principe. Alors, partant de ce principe, la Mishnah nous enseigne. Si toutes ces conditions sont remplies, et que tu tombes devant un Lévi aimable, alors tu pourras demander à Lévi de jurer combien il a payé, et lui rendre l'argent, et demander à Lévi qu'il te rende ensuite la bague. D'accord ? Trois conditions on a évoquées. C'est-à-dire, premièrement, Réhouven s'est fait cambrioler. Deuxièmement, on parle d'une bague ou d'un objet volé que Réhouven n'était pas censé vendre. Et en plus, on sait pertinemment que Réhouven n'a pas fait de yush. Il ne s'est pas désespéré de retrouver cet objet. Donc, si toutes ces trois conditions sont remplies, donc, lorsque Réhouven rencontrera Lévi avec sa jolie bague, sa chevalière, de son arrière-grand-père ou grand-mère, je ne sais plus où j'en suis dans les histoires, d'accord ? Alors il pourra lui dire « Ah, combien tu as payé ? Je veux la récupérer. » Mais attention, on parle ici que ce Lévi, Béhémet, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Parce que si Lévi a envie d'être dur, ferme, et dire « Qui a dit ?», il pourra toujours contester le fait que cette bague soit volée. Étant donné qu'il n'y a pas eu des témoins que cette bague s'est faite voler, Lévi pourra toujours prétendre « Qui a dit que je dois te rendre cette bague ?» Peut-être que c'est vrai que tu as eu des cambrioleurs qui se sont volés. C'est vrai que tu n'es pas censé vendre cette bague. Mais peut-être que ça t'est assez arrivé et que tu aies décidé de vendre cette bague. Et que pour récupérer de l'argent, et que maintenant tu es en train de me raconter des histoires pour pouvoir la récupérer. Donc finalement, je n'ai pas envie de te la rendre. Et là, Lévi aura, selon la loi stricte, gain de cause. On n'imposera pas à Lévi de rendre la bague sur le simple fait qu'il y a eu des cambrioleurs et qu'il n'est pas censé vendre cette bague. Parce que tout ça, c'est de la spéculation. C'est pas du certain. D'accord ? C'est clair ? C'est ce que la Mishnah enseigne à la fin. Veim lav, et si Lévi n'a pas envie de rentrer dans cette histoire de dire combien d'argent il a payé et ensuite rendre la bague, mais il a envie de rester propriétaire, lokol hemenu. Réhouven n'a pas la force d'imposer à Lévi de jurer et de récupérer l'objet. Pourquoi ? Shani Omer, car je pourrais toujours dire, mecharan l'acher, le kachan ze hemenu. Peut-être que concrètement, Réhouven l'avait vendu à une autre personne, donc à ce Shimon, ou le Kachan Zemenu, et Lévi est ensuite venu l'acheter légalement, loyalement, et donc il n'y a pas lieu de le croire sur ces histoires. D'accord, c'est clair pour la Mishnah ? On fait maintenant le Vartanura. Amakir Kelav Usfarav, Matnitin Be'adam Shana Suilimkor Kelav. On parle dans la Mishnah d'une personne qui n'est pas censée vendre ses objets. D'accord ? Il y a des gens qui vendent, à l'époque c'était fréquent apparemment, des gens qui vendent leurs objets, des gens qui gardent, qui conservent leurs objets. Il y avait des gens qui, chaque fois qu'ils ont de l'argent, ils vendent des trucs. D'accord ? D'autres personnes, ils gardent leurs objets, ils ont des valeurs sentimentales, ils ont... D'accord ? Donc maintenant, la Mishnah nous enseigne. « Dekev ande yatsalo shem geneva ba'ir » Étant donné que « yatsalo shem geneva ba'ir » Il y a eu une rumeur qui a couru qu'il y a eu des voleurs qui sont entrés chez lui. La Gemara précise, c'est quoi une rumeur ? C'est qu'on a vu des cambrioleurs ressortir de chez lui, d'accord ? Et puisqu'il y a des témoins qui nous racontent que cette fameuse bague, c'est sûr que c'est la bague de Réhouven. Dans ce cas-là, puisqu'on a réussi à réunir toutes ces conditions, que Réhouven n'est pas censé vendre cette bague,
qu'il y a des témoins qui nous qu'on sait qu'il y a eu des voleurs qui sont entrés chez lui, et qu'il y a des témoins qui ont dit que cette bague appartenait, c'est sûr qu'elle appartenait à l'époque à Reuven. Alors dans ce cas-là, on demandera à Lévi de jurer combien il a payé pour Mishum Takanatashuk, pour rendre l'objet et récupérer ensuite son argent. Par contre, donc Ishava Lokeach Kama Natan Veitol. Donc Lévi pourra jurer combien il a d'argent il a payé et récupérer cet argent. Veyachzir lo kelav, et il rendra alors cette bague, cet objet à Reuven. Velifne Yehush Kamaire. Et bien sûr, toute cette Mishnah parle uniquement Lifne Yehush avant que Reuven ne désespère récupérer cette bague. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha et de Simcha. Rendez-vous demain, Kol Tov Sarah.